Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel que je consacre à la version 12.3 de Lightroom. Alors en général, je consacre un tutoriel aux nouveautés de chaque version majeure de Lightroom, mais cette version de printemps, donc une version intermédiaire, est caractérisée par une grosse évolution, une évolution qu'on attendait depuis longtemps, c'est-à-dire une réduction du bruit efficace dans Lightroom. En effet, la concurrence, telle que DXO ou bien Topaz, propose des logiciels de débrouillage très efficaces, basés sur de l'intelligence artificielle, si bien que beaucoup d'utilisateurs de Lightroom utilisent ces applications tierces pour le débrouillage. Pour ma part, je viens d'opter il n'y a pas très longtemps pour Puro 3, donc le logiciel de DXO, et je commence à regretter mon choix, parce que Lightroom vient de sortir enfin un débruitage basé sur de l'intelligence artificielle et qui est puissant. Donc nous allons consacrer une bonne partie de ce tutoriel au débruitage dans Lightroom, et puis aussi une autre partie pour les autres nouveautés tel que le masquage, qui évolue encore avec de nouvelles fonctionnalités. Alors, il faut dire que Lightroom était redevenu le logiciel de développement numéro un lorsque Lightroom a introduit les masquages, qui sont d'une puissance remarquable. Mais il manquait ce débruitage efficace afin que Lightroom prenne vraiment le leadership au niveau de ses concurrents. Alors, ce tutoriel concerne Lightroom 12.3, mais également Camera Raw 15.3, car vous savez que c'est le même moteur. Il faut savoir aussi que ce débruitage concerne uniquement des fichiers Raw, comme le fait des XO Pure Raw. Et le résultat est proposé dans un fichier DNG. On va voir tout ça dans le détail. Alors voyons un petit peu ce débruitage. Alors voici une photo de l'intérieur d'une chapelle. Comme on peut le voir, elle a été prise au 30e de seconde à ISO 2500. Donc si on zoome un petit peu dessus, on voit qu'elle contient beaucoup de bruit. À ISO 2500, c'est normal. Vous voyez, quand on regarde notamment par ici, on voit qu'il y a énormément de bruit. Alors sur cette photo, je n'ai fait aucun réglage, si ce n'est les corrections de l'objectif. Donc, pour corriger ce bruit qui est assez important, on va dans le panneau détail, et maintenant, on trouve un nouveau bouton, réduire le bruit. Alors, on vous indique que c'est fait à travers de l'intelligence artificielle, intelligence artificielle qui a été beaucoup introduite dans Lightroom, notamment sur les masquages, hein, et que le résultat se trouve dans un fichier DNG, donc, dans un fichier RAW également. Alors, l'ancienne méthode existe toujours. Vous voyez, normalement, cette partie n'est pas ouverte. Si on l'ouvre, on retrouve les anciens réglages. Alors, on va essayer de réduire le bruit à travers les anciens réglages. Donc, là, c'est du bruit de luminance. Je vais monter donc le curseur luminance. Doucement. Vous voyez, pour éliminer complètement le bruit. Il faut que j'aille presque vers 50, à peu près. Et là, j'ai un niveau de bruit raisonnable. Il reste toujours un peu, mais là, si on regarde la photo dans son intégralité, il y a moins de bruit. Par contre, la réduction s'est faite au détriment des détails. Vous voyez, il y a un effet de lissage sur les pierres. Je reviens à zéro. On avait du détail. Et en montant le curseur de luminance vers 50 à peu près j'ai un effet de lissage de ce détail ça c'était le gros inconvénient de cette méthode et regardez sur les pierres c'est pas beau du tout elles sont devenues euh, un petit peu artificielles même on a un gros effet de lissage alors je vais enlever ma réduction du bruit alors pour enlever ce lissage hein, il faudrait faire comme d'habitude c'est-à-dire, refaire monter du, dé du détail, de la netteté, rééquilibrer la luminance pour avoir un compromis qui n'est pas réellement satisfaisant dans la plupart des cas. Je remets à zéro. Voilà. Je retrouve mon bruit. Et je vais faire la même chose avec la nouvelle réduction du bruit. Je clique sur le bouton réduire le bruit. Voilà. Un petit moment de chargement, et voilà une nouvelle interface. Et par défaut, donc le curseur de quantité de réduction du bruit est autour de 50. C'est à peu près la valeur moyenne pour la réduction du bruit. Alors vous voyez, avant réduction et après réduction. Si on se balade dans l'image, on voit que c'est efficace. Hein. Même à 50, on pourrait monter un peu plus haut. Mais bon, on fera pas mieux. Alors, il y a d'autres réglages. Les détails bruts, ça consiste à faire monter les détails. Donc, à faire monter un peu plus de détails dans la photo. Alors, il faut savoir que quand vous faites réduire le bruit, la case à cocher détails bruts est cochée automatiquement. Donc, la montée des détails bruts se fait automatiquement. Et vous avez également la possibilité de faire de la super résolution, c'est-à-dire le double de la résolution actuelle, si vous avez notamment à cropper une image, c'est-à-dire à, à la recadrer fortement, ou bien avoir un, un tirage en très grand format de bonne qualité. Là, on va s'atteler à la réduction du bruit. Donc là, ça me conviendrait. Je clique sur accentuer. Vous voyez la durée estimée est importante, deux minutes, mais dans son concurrent, DXO Puro, c'est un petit peu la même chose. Et on va dire que l'on met cette nouvelle photo dans une pile. Je clique sur accentuer et le traitement se lance. Je coupe la vidéo un petit moment pour pas vous faire patienter deux minutes. Voilà. Le DNG est fabriqué. Et on obtient un nouveau fichier DNG qui est mis dans une pile. Vous voyez les deux photos, l'original et le DNG sont empilés. Voilà, j'ouvre la pile. Et vous voyez que le résultat sur la partie sur laquelle j'avais zoomé est bien meilleur qu'avec l'ancienne réduction du bruit. Pour ce faire, je vais faire la comparaison. Ce sera plus simple. Sur l'original, voilà. Je monte la luminance comme je l'avais monté tout à l'heure, autour de 50 à peu près, quelque chose comme ça. On va prendre les deux images, on va les comparer. Donc l'accentuation avec l'ancienne méthode, vous voyez qu'on a un effet de lissage énorme, on a perdu tous les détails, et avec la nouvelle méthode, c'est nickel, les détails n'ont pas été perdus, on a un très bon niveau. Deux détails, hein, si on regarde sur les... Vous voyez, là, c'est flagrant. Hein. Quand on regarde sur les autres pierres, c'est clair. Et même sur la statue, le résultat est vraiment impeccable. C'est assez bluffant. Alors, au revers de la médaille, le fichier DNG est très lourd. Je vais aller dans l'explorateur pour vous montrer le poids de ce fichier. Voilà, c'est celui-ci. Et vous voyez, on a quand même 96 mégas, presque 97, alors que le fichier DNG d'origine faisait 29 mégas. Donc ça veut dire que on va pas abuser du débruitage, ou bien on va pas garder le fichier DNG, on va vite le transformer en JPEG. Si on a vraiment beaucoup de photos à débruiter, je pense notamment aux photographes de concert, où ils vont faire que ça. Donc là, ils ont peut-être pas intérêt à trop garder les dangers. Ensuite, on va prendre un deuxième exemple. Une photo que j'ai réalisée lors d'un concert. Alors, c'est celle-ci, l'original. Très bruitée, donc, vous voyez, à 6400 ISO. On va la débruiter avec le nouveau débruitage de Lightroom. Et on va comparer le résultat au même résultat donné par DXO Puro 3. Et à celui donné par DeNoise de Topaz, donc les gros concurrents de Lightroom au niveau du débruitage, et on va voir si ce nouveau débruitage de Lightroom est à la hauteur de la concurrence. Alors hors vidéo, car ce n'est pas le but de ce tutoriel, j'ai préparé la version DeNoise. Ici, voilà, qui devient un fichier TIFF, la version DXO avec le meilleur algorithme de débruitage, c'est-à-dire DeepPrime XD, et ici j'ai la version originale, vous voyez très bruitée, sur laquelle je vais appliquer le nouveau débruitage de Lightroom. Je vais dans l'onglet détail, réduire le bruit, c'est parti. Voilà, vous voyez qu'avec l'accentuation et sans l'accentuation, on a déjà un bon débruitage. Ce que je vais faire, je vais dézoomer, je vais plutôt aller sur le visage, voilà, avant et après. On va rester sur 55, peut-être même baisser un peu. Voilà, 50. Et c'est parti. Je clique sur le bouton accentuer dans une pile toujours, et je coupe la vidéo pendant que le traitement s'effectue. Voilà, c'est terminé. Le traitement s'est effectué. Alors je vais zoomer dessus. On a un très bon résultat, j'ai l'impression. Assez remarquable d'ailleurs. Vous voyez même dans les parties sombres, il n'y a plus du tout de bruit. Alors je vais ouvrir la pile. Et ce que je vais faire, je vais comparer les trois méthodes. Je vais d'abord comparer le résultat de Lightroom avec celui de Denoise. Voilà, je sélectionne les deux images, je me mets en mode comparaison, j'affiche le titre des photos pour qu'on puisse se repérer, je vais zoomer sur le visage pour voir le résultat. Eh bien écoutez, c'est à peu près équivalent, hein. la peau est bien traitée, aussi bien dans Denoise à droite que dans Lightroom à gauche. Au niveau des cheveux, c'est pareil. Hein. On a le même résultat, j'ai l'impression. Au niveau des mains aussi. Et dans les parties sombres, on est équivalent. C'est assez bluffant. On est vraiment équivalent. Donc on peut dire que sur cette photo, remarquez ma prudence, le traitement de Lightroom est identique à celui de Dinoise. Maintenant, on va prendre le résultat de Deep Prime. Voilà, ni D, hein, qui est un algorithme puissant. De Pure Ro3, on se met en mode comparaison. Voilà, donc nous avons Pure RAW à droite et Lightroom à gauche. On va faire pareil, on va zoomer sur le visage. Alors peut-être un petit avantage ici à DxO au niveau du rendu de la peau. Le grain de la peau est Beaucoup plus naturel, moins lissé que dans Lightroom. Les cheveux, les détails sont beaucoup plus nets. Ça, on peut le dire. Au niveau des mains, c'est identique. Et dans les parties sombres, c'est identique. Là, sur la batterie, là. Au niveau du rendu des détails, c'est identique. Un petit plus ADX au Puro au niveau du rendu de la peau. Et au niveau du détail, au niveau de la netteté, il faut dire que les algorithmes de 2DXO Pure 3 intègrent non seulement une correction optique qui est remarquable, qui est meilleure que celle de Lightroom, mais en plus, il y a des corrections de netteté qui sont intégrées. Là, si je veux avoir l'équivalent dans Lightroom, je vais être obligé de jouer sur le curseur netteté. Pour faire monter un petit peu de netteté. Et je vais faire remonter du bruit. Je vais m'en voir pour équilibrer. Donc, sur cette photo, un petit avantage ADXO, même si le résultat de, de Lightroom, nouveau débruitage, est quand même très bon. Voilà en ce qui concerne le débruitage. Le gros morceau de cette mise à jour est la grosse surprise d'Adobe. On ne s'y attendait pas. Maintenant, nous allons voir quelques modifications qui concernent le masquage. C'est parti. Adobe continue son effort sur les masques locaux et vous allez voir des nouveautés intéressantes au niveau des personnes. Je crée un masque. La détection des personnes est automatique, je vous le rappelle. Voilà. Alors, voyons ce qui a été ajouté comme critère. Donc, on retrouve la peau du visage, la peau du corps, les sourcils. Alors, remarquez que même avec ce personnage qui porte des lunettes, Lightroom est capable de détecter les sourcils. Le sclère de l'œil, également, il le fait. L'iris de la pupille. Les lèvres, ça c'est pas nouveau, les cheveux, et nouveauté, les poils du visage, c'est-à-dire qu'il est capable de détecter la barbe. Comme vous le voyez, il la délimite très bien en plus. Les cheveux ne sont pas pris en compte. Par contre, si je sélectionne les cheveux, voyez, il ne sélectionne que les cheveux. Et nouveauté aussi, les vêtements. Voilà, on va s'amuser avec la barbe, si je puis dire. Je crée un masque et je retrouve les réglages habituels. Alors je vous rappelle que ces réglages, dans une version antérieure, avaient été découpés en, en sous-panneaux, tonalité, couleur et courbe, on va en reparler, présence et détail. On va jouer peut-être sur l'exposition, éclaircir la barbe voyez, ça devient une barbe poivre et sel. Mais vous voyez qu'il détecte bien que la barbe. Et pareil, sur les vêtements. Créer un nouveau masque. Sélectionner les personnes. Et là, je vais jouer sur les vêtements. Voilà. Je crée un masque. Voilà. Je vais jouer peut-être sur les blancs. Sur l'exposition, voilà, assombrir le, la couleur du pull. Et voyez qu'il a bien détecté que le pull. Ces options de masquage sont vraiment très bien faites, très performantes. Elles sont d'une précision redoutable. Et il est certain que par rapport à la concurrence, Lightroom est largement devant. Il suffit de cliquer sur un bouton pour avoir accès à différentes parties d'une personne, entre autres. Autre modif dans les masquages, on voit que dans les sous-parties, les sous-panneaux, a été ajouté un panneau courbe. Donc c'est la fameuse courbe des niveaux qui maintenant devient locale. On peut appliquer une courbe au niveau des masques. On peut toujours appliquer une courbe globale, mais aussi on peut appliquer des courbes locales au niveau de chacun des masques. Voilà, on va jouer sur le contraste avec la fameuse courbe en S voilà et dans les tons moyens, j'ai fait un peu n'importe quoi mais ça c'est très intéressant, ça rend encore plus puissant nos réglages locaux. Voilà pour cette partie euh, amélioration des masques. Il y a quelques autres améliorations, peut-être un peu plus mineures qu'on va voir maintenant, c'est parti. Alors, quelques autres améliorations ont été introduites dans cette version intermédiaire. Ce sont des améliorations mineures par rapport aux autres. On voit apparaître dans les panneaux un petit œil dans la version précédente. Vous vous souvenez, il y avait un interrupteur qui permettait donc d'annuler toutes les corrections qui avaient été apportées dans ce panneau. Alors, cet œil s'allume lorsqu'il y a eu des modifications. C'est le cas dans les réglages de base. Vous voyez, si je clique sur l'œil, je vois avant. Et si je lâche le clic, je vois après. D'accord Idem pour les corrections de l'objectif. J'ai fait des modifications. Je vois avant et après. Alors ça, ça ne permet pas d'annuler les modifications du panneau, mais ça permet de voir avant et après. Alors vous allez me dire, l'interrupteur, c'était bien sympathique. On pouvait désactiver. Tous les réglages qu'on avait faits dans un panneau. Ça n'est pas perdu, parce que si vous appuyez sur la touche Alt et que vous la maintenez, vous retrouvez l'interrupteur. C'est le cas des corrections de l'objectif, par exemple. Dans les réglages de base, c'est pas possible. Hein dans les autres, oui. Je bouge l'interrupteur, donc j'annule les corrections de l'objectif, et vous voyez l'œil est barré maintenant, et il est désactivé. Ça veut dire qu'il y a eu des modifications, mais qu'elles ont été annulées. Voilà, ça c'est bien pratique aussi. Dans l'historique, voilà ici, vous vous souvenez, j'ai fait des masques pour cette photo, masque 1 et masque 2. Le nom du masque apparaît dans l'historique maintenant. Hein, sur le masque 2, j'ai mis à jour la courbe des points. Sur le masque 1, j'ai mis à jour les réglages de l'exposition. Et enfin dans les presets, dans les ré... réglages présélectionnés, on voit apparaître de nouveaux réglages adaptatifs au niveau du portrait. Alors ils sont en relation avec les modifications qui ont été apportées au masquage, à savoir les vêtements et la barbe. Donc on peut assombrir la barbe et on peut améliorer les vêtements. Donc ça ce sont des presets. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes les nouveautés de cette version intermédiaire, nous allons donc conclure ce tutoriel. Donc en résumé, on peut dire que la grosse nouvelle de cette version intermédiaire de Lightroom, c'est l'introduction du débruitage basé sur l'intelligence artificielle qui met Lightroom Quasiment au niveau de ses concurrents directs, on peut se poser la question a-t-on besoin maintenant d'une application tierce pour débruiter à partir de Lightroom Il faut dire qu'Adobe a fait très fort avec ce débruitage. Il va encore l'améliorer dans les futures versions. C'est un coup dur pour DxO qui vient juste de sortir la version 3 de PureRAW et qui risque de perdre. Tous les futurs clients équipés de Lightroom classique. D'après mes tests, Puro reste un peu meilleur que Lightroom, grâce à ses remarquables corrections de la distorsion optique et à sa correction de netteté intégrée dans le débruitage. Alors si vous avez acquis Puro 3, comme je viens de le faire peu de temps avant la sortie de cette version, mais c'est pas grave continuer à travailler avec ce dernier en amont des corrections de Lightroom. Si vous vouliez l'acquérir, vous pouvez vous en passer car Lightroom atteint quasiment le même niveau de débruitage et il y a fort à parier qu'il va s'améliorer. Je pense que Topaz et DxO vont réagir. La guerre du débruitage ne fait que commencer et tout ceci au profit de l'utilisateur bien évidemment. Ce tutoriel s'achève ainsi, je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel.